Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec toi. Ça va, mon frère? Avec toi. Mashallah, ça fait plaisir de voir un visage radieux. Allô, En ces temps-là, après le calais, il faut traduire, faut le véhiculer. On essaye, Charles, on essaye. mubarak. Taïb. Et donc, il y avait également. Une sœur qui doit participer, mais je crois qu'elle n'est pas encore là. Donc, Khel, on va introduire. Bismillah, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on est réunis avec le frère pour parler d'un sujet qui est très important. Et ce sujet, donc, c'est. Vous entendez rien? Est-ce que vous entendez? Parce qu'il y a une personne qui dit on n'entend rien. Toi, tu m'entends, Harry? Alhamdulillah, sans problème. Très bien. Ouais, moi je t'entends aussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il y a la soeur qui arrive. Les frères et sœurs, dans le... Oui, tout le monde entend, vous entendez, hein? D'accord, donc c'est la personne en question qui doit avoir un problème alors. Taïb. Donc oui, donc salam alaikum la sœur qui vient d'arriver. Donc voilà, j'étais en train d'introduire. Et donc je disais que aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important, l'un des sujets les plus importants à aborder, qui est l'étape de la tombe. Tout ce qui va, tout ce qui tourne autour de la tombe, le rappel sur la mort. Hein. On a fait un live la semaine dernière sur ça. Il y avait la femme de notre frère Ziyad qui était venue, qui avait parlé, qui avait fait un témoignage sur elle, comment elle a vécu son deuil. Justement, elle est là, je lui envoie l'invitation. Et c'était un moment très émouvant. Et donc, moi, je voulais continuer sur cette lancée et à parler de ça. Attention, faut pas qu'on vous voie. Et je voulais continuer sur cette lancée à parler de ce sujet-là parce que je trouve que c'est un sujet qu'on néglige énormément en ce moment. La semaine dernière, nous ici sur Tanger, on a eu un décès. Il y a une amie à ma femme qui est décédée. C'est une sœur mesquine, c'est une migrante. Voilà, elle avait immigré de son pays, la Côte d'Ivoire. Elle voulait rejoindre la France. Son but, c'était d'offrir, elle voulait offrir un avenir meilleur à ses enfants. Et Allah il nous dit, voilà, t'as des nafsoun bi ayi ardin tamout. Personne ne sait où il va mourir. Elle est partie avec pleine de bonnes intentions. Elle a voulu, voilà, elle s'est dit, je vais offrir un avenir meilleur à mes enfants, je vais partir. Elle est venue à pied jusqu'au Maroc. Elle a marché, elle a galéré, etc. Allah, elle avait une maladie qu'elle avait laissée traîner quand elle était en Côte d'Ivoire. Donc cette maladie, ben, malheureusement, elle est revenue, elle est remontée à la surface et elle est décédée la semaine dernière. Donc c'était une sœur qui était, alhamdoulilah, elle faisait la prière. Elle venait souvent chez moi parce qu'elle coiffait mon épouse et elle travaillait dans l'atelier de ma sœur. Et en fait, ce qui m'a attristé là, surtout, bah, déjà quand c'est une personne que l'on fréquente, bon, comme c'est une femme, je la fréquentais pas plus que ça, je la voyais à la maison, salam alaikum. Mais ce qui m'a attristé, c'est qu'elle est morte loin de sa famille. Elle est morte loin de sa famille, elle a laissé ses enfants. C'était une sœur battante. Elle se battait pour essayer de nourrir ses enfants, etc. Mais voilà, elle a pas atteint son objectif.
Et son histoire, elle traduit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Akfiru min dhikri hadhi min ladhati al-maut, et augmenter le rappel de la destructrice des plaisirs à la mort. Parce qu'en fait, on a tous des projets, et on se dit on va faire telle ou telle ou telle chose, et du jour au lendemain, la faucheuse, elle vient. Elle s'y attendait pas, nous on s'y attendait pas aussi, elle était jeune, hein, elle avait 36 ans. Donc voilà, donc c'était un moment qui était triste. Et ce qui m'a aussi attristé, et c'est pourquoi je voulais faire un rappel aussi aujourd'hui sur l'importance de laisser les testaments, c'est parce que la sœur, elle est morte, et nous, on a fait une quête pour ses enfants. On a fait une quête pour ses enfants, et alhamdoulilah, on a réussi à rentrer en contact avec sa famille en Côte d'Ivoire. Alors déjà, il faut savoir que sa famille, ils n'ont pas beaucoup d'argent, elle est orpheline, ses parents, ils sont morts. Elle a que des sœurs, elle n'a pas de frères. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'hommes dans leur famille pour subvenir à leurs besoins. Elle était divorcée. Elle a ses sœurs aussi qui sont divorcées. Il n'y a qu'une seule de ses sœurs qui travaille. Et cette sœur qui travaille, c'est elle qui prenait un peu en charge toute la famille. Donc nous, on a fait une quête pour essayer de réunir de l'argent pour ses enfants. Alhamdoulilah, elle a la facilité. On a réussi à récolter 1 200 euros. Et franchement, sa famille, ils étaient très contents. Franchement, ils étaient très contents. Ça les a soulagés que voilà, que alhamdoulillah, avec l'association que j'ai, on a réussi, alhamdoulillah, on a payé l'enterrement, etc., par les fonds que les gens lui donnent. Ça a vraiment allégé sa famille, ils étaient contents. Mais subhanallah, là où je me suis dit que c'est vraiment important de laisser un testament, c'est que l'argent justement de cette quête-là qu'on a faite. Il y a des gens qui ont pris son téléphone et des gens qui vivent avec elle, et ils disent à sa famille, oui, il faut les gens en France, ils ont fait une quête, etc., mais il faut pas donner l'argent à un tel, il faut pas que c'est un tel qui prenne l'argent. Il y en a qui ont dit, oui, c'est grâce à moi qu'elle est arrivée, c'est moi qui dois prendre l'argent pour donner l'argent dans les mains de sa famille, etc. Alors que nous, on est en contact avec sa famille, on est en contact avec sa famille, on est en contact avec ses sœurs. Mais les gens, les migrants ici, ils savaient pas qu'on était en contact avec ses sœurs. Et donc, je me suis dit, subhanallah, l'être humain, il est capable pour l'argent, de faire des choses. Subhanallah, même la mort, même l'humilité devant la mort, ça l'arrête pas. Donc voilà, donc moi, je voulais parler de ce sujet-là, important, c'est l'importance de faire des testaments. Donc, avant que l'on commence, inshallah, les deux intervenants principaux, je vous laisse vous présenter, Inch'Allah, pour que les gens ils savent un peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Et après, on va commencer le sujet, Inch'Allah. Bismillah, honneur à toi, honneur aux femmes ou honneur aux frères? Honneur aux femmes, allez, bismillah. Bismillah, on va laisser la sœur se présenter, là. Salam alaikum, wa Alaykoum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. barakatuh. Donc, moi, c'est Marie. Je fais le lavage mortuaire depuis 2013, alhamdoulilah. D'accord. Donc, j'ai appris au sein d'une association en 2013. Et petit à petit, j'ai commencé à évoluer dans ce domaine. Et après, par la suite, j'ai passé le diplôme de conseiller funéraire, ce qui me permet aujourd'hui de travailler en pompe funèbre musulmane. D'accord, machallah. Machallah. D'accord. Alhamdoulilah. Donc depuis 2013, vous faites ça. Ouais, c'est ça, exactement. Mashallah. Donc là, c'est j'ai fait une application que j'ai déclarée en préfecture en 2019 à but non lucratif. Et bon, faut savoir que les toilettes sont facturées uniquement pour l'association. Toutes les intervenantes, pardon, sont bénévoles. D'accord, mashallah. Il y a plusieurs sœurs qui lavent dans votre association. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai ouvert, on était un petit groupe, et petit à petit, j'en ai formé. J'ai à peu près 10 laveuses aujourd'hui, et après, il y a beaucoup d'assistantes qui nous aident sur chaque toilette. En fait. Vous On êtes a à peu vous... près 3 personnes à chaque fois. Ah, d'accord. Vous êtes dispatché dans toute la France ou vous êtes dans un endroit précis? Bah, essentiellement sur l'île de France, mais D'accord. ça arrive qu'on soit appelé
dans d'autres villes de France où bah, souvent on voit des annonces comme quoi ils ne trouvent pas de laveuse dans diverses villes de France. Si on peut, on se déplace. D'accord. C'est eux qui prennent en charge le trajet, etc. Parfois, oui. Parfois, oui. D'accord. Et si quelqu'un qui veut vous contacter, il peut vous contacter comment sur le Instagram ou bien ça se passe. Vous avez un site internet. Oui, après, s'il y a un décès, il y a une toilette, vous pouvez appeler sur le numéro de téléphone qui se trouve sur la carte de la situation. D'accord. Après, si vous souhaitez, si les sœurs souhaitent se former, que ce soit en Île-de-France ou en France, à ce moment-là, on envoie un mail et on voit ensemble les possibilités. D'accord. Ben vous nous enverrez le contact comme ça on partagera, Ça, avec plaisir, voilà. Inch'Allah. Bismillah à toi, mon frère, tu peux te présenter. Salam alaikum à tout le monde. Alaikum salam. Donc moi, je suis Ali. Je suis basé dans 78 dans les Yvelines. Et j'ai passé le diplôme de gérant de pont funèbre en 2015. Je suis issu du milieu hospitalier depuis 2007. J'ai travaillé dans un hôpital, j'étais brancardier. Par la suite, j'ai tout ce qui est management, c'est-à-dire régulation sur tout le transport de l'hôpital au niveau des brancardiers. Je fais le Rossoul depuis 2011. Et depuis 2019, nous avons l'association Janaïl 78 qui regroupe des laveurs et des laveuses. D'accord. Ils disent qu'on t'entend pas très très bien. Je crois qu'il faut que tu mettes ton micro, faut que tu mettes plus près de toi, genre. Et là, est-ce qu'on m'entend là? Ouais, voilà, là, on t'entend bien. Là. Ah, bah, peut-être qu'il était à TP. Ouais, voilà, donc tu veux que je refasse, que je répète un peu ce que j'ai dit? Ouais, si ça ne te dérange pas pour les... Ah non, il n'y a aucun souci, on est là pour ça. Donc voilà, je suis le frère Ali, je suis sur la ville de Montpellier en 78. Je suis issu du milieu hospitalier depuis 2007 en tant que brancardier, ce qui m'a amené à faire de la vente funéraire. Je n'étais pas du tout à me dire un jour que j'avais des cas, mais vu que j'ai vu le bloc opératoire, comment ça se passait, assister à des opérations ou autres, et ça m'a poussé à m'intéresser au lavage funéraire depuis 2011. 2013, j'ai passé la formation de gérant de pont funèbre. Je n'ai pas exercé dans ce métier-là, mais je suis resté laveur et j'ai monté mon association en 2019, et c'est l'association Janaïl en 78, qui regroupe quelques laveuses et quelques laveurs chez les autres. Ce n'est pas évident à trouver des laveurs. Des laveuses dans ce coin-là. Quelques-uns sont formés, mais ça manque. Voilà me concernant. Barakallahu fik. Bah là, moi, la Voilà. première question que je voudrais vous poser, on va commencer par la sœur, après on va suivre. On commencera toujours par la sœur, après à toi. C'est Pas de souci. qu'est-ce qui vous a motivé pour vous lancer dans ce domaine-là? Ben, un petit peu, j'ai un tout petit peu le même parcours que le frère, à savoir que j'ai commencé un petit peu en maison de retraite, en milieu hospitalier, et j'ai croisé beaucoup de défunts, de défuntes durant toute ma carrière professionnelle. Et en fait, le monde de la mort, il m'intriguait un petit peu. Je trouvais c'était mystérieux, j'avais envie de savoir c'était quoi. Donc j'ai fait mes recherches et tout ça. Et après, j'ai cherché aussi côté religieux, en fait, savoir qu'est-ce que disait la religion de la mort, qu'est-ce qu'il y avait tout autour, etc. D'accord, mon Et cher. je me suis renseignée. Après, j'ai trouvé une sœur qui faisait le lavage mortuaire depuis 2 ans. Et elle m'a proposé de faire une démonstration. Et en fait, moi, j'ai simulé la défunte. Donc voilà, après ça m'a mis D'accord. une grosse claque, ça m'a bien réveillée et j'ai continué quoi. Donc voilà. Et pour toi, frère? Après moi, c'est le fait de travailler aussi pareil dans le milieu hospitalier. Donc nous les brancardiers, on est censé descendre des gens, puis on croise. Mais mets ton micro à côté de toi comme ça. Là on m'entend là, ça va? Ouais, voilà comme ça. Là ce qu'on entend bien là. Ouais, on t'attend. Ouais. Attends, voilà, là c'est mieux là. Ouais, en fait, c'est parce que le fil, parfois, en fait, il est un peu loin, donc Ah, là c'est bon là. on... Ouais, voilà, là, c'est bon. Ah, si y a un souci, tu me dis. Après, j'essaierai Ah, pas de quelque chose. problème.
n'y a pas de problème. Ouais, alors moi, ce qui m'a amené à ça, c'est pareil. Je suis issu du milieu médical. Donc, dès que nous, les brancardiers, descendent et descendent dans les chambres froides. Et franchement, à cette période-là, je voyais énormément de musulmans qui étaient délaissés. Et c'était difficile de trouver des laveurs, c'était pas évident. Et c'était attristant. Donc, puis c'est quelque chose qui m'attirait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, vu que j'ai assisté au bloc opératoire, j'ai vu comment ça se passait dans certaines opérations. Je me suis dit, peut-être que à ce moment-là, ça va m'amener à peut-être voir comment ça se passe le Rossoul. Et puis, je me suis lancé et j'ai trouvé une pompe funèbre. Bah, j'ai dû assister, hein, parce que c'est pas évident, ils veulent pas former au départ. Ils ont peur qu'on soit formé, que par la suite, on dise pompe funèbre, que ça les dérange beaucoup. Je Ah, comprends, là, d'accord. lorsqu'on est formé et qu'on risque de faire de la concurrence, pour certains, ça dérange un peu, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ce qui m'a amené, surtout, voilà, ce milieu, en fin de compte, Allah, de toute façon, c'est Allah qui fait les choses. Il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est Allah qui fait que tu te retrouves dans cette situation. Et Alhamdoulilah, il m'a donné la force de pouvoir, justement, être amené dans ce milieu-là. Mashallah. Et ben, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire, c'est comment ça se fait que on trouve pas assez de laveurs et de laveuses. Est-ce que les gens, ils ont peur d'être confrontés à la mort? Bah, y a, en fin de compte, ils ont, pour certaines personnes, c'est pas tout le monde, tu vois, certaines personnes, comme ils ont une méconnaissance de ce domaine, et ils ont un tabou pour certains de la mort, même qu'ils soient pratiquants, tu vois ce que je veux dire. Il y en a, ils ont un tabou, il y en a qui ont peur, ils disent, je sais pas si je supporterai, et ça fait les gens, ils ont du recul, c'est pas un sujet qui va les attirer. T'as vu, la mort, c'est quelque chose où on va être confrontés tous. Donc, quand tu laves un défunt, c'est comme si tu te voyais toi aussi. Tu te mets Ouais, à la c'est place vrai. du mort, c'est ce que je fais, je me mets à la place du mort, je me dis, purée, un jour, ça va être moi qui va être là, parce que ça va être, c'est comme ça, Allah, il nous a créé, Subhanallah. c'est une certitude. Et je pense que les gens, ils avaient un peu peur, et peut-être qu'il fallait quelqu'un aussi qui les oriente, parce que tu sais, t'as les gens qui sont acteurs dans la vie, il y en a qui sont spectateurs. Et il faut une dynamique pour lancer ça. Une fois que, alhamdoulilah, tu trouves des personnes qui lancent ça, Alhamdoulilah, t'as des frères qui commencent à se lancer, t'as des soeurs qui commencent à se lancer, et les choses commencent à s'enclencher, il y en a qui veulent se former, quand ils connaissent plus le sujet. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance dans ce Ignorance. domaine. Parce que la mort en France, j'ai l'impression que la mort, quand moi j'habite au Maroc, tu vois, et quand je viens en France, j'ai l'impression que la mort, elle est cachée, elle est un peu enjolivée, parce que quand tu vas dans les cimetières, ils sont beaux, tout est ordonné. J'ai l'impression que la mort, elle est, y a pas, on voit pas vraiment la réalité, on n'arrive pas à voir la vraie réalité de la mort en France, en fait, j'ai l'impression. En France, quand tu vois que tout est orné de fleurs et tout, tu crois que c'est un faux semblant. La mort, on te met des fleurs partout, mais la réalité est tout autre de l'autre côté. Cela dépend des Subhanallah. individus, de ce qu'il a fait dans sa vie, et côté religieux, et dans les actes aussi. Tu vois, Subhanallah. ce qui se passe de l'autre côté, c'est vrai, ça nous dépasse. On n'a pas la notion de ça. On a des indications. Les saints hadiths, les interrogations de la tombe, les châtiments, tout ce genre de choses. Mais la mort, oui. En fin de compte, ils veulent plus comme tu disais, avec toutes les fleurs, tout bien rangé dans le cimetière. C'est caché, effectivement, c'est quelque chose de très tabou dans ce pays-là. Tu vois? Dans ces Subhanallah, pays, c'est très subhanallah. tabou. Subhanallah. Parce que moi, je vois ici en France, quand tu es en France, les cimetières, tu vois, c'est des grands murs. Alors qu'ici au Maroc, moi, j'habite à côté d'un cimetière, subhanallah. Ça veut dire que pratiquement tous les 2 jours, je vois des enterrements. Il n'y a pas de mur, tu vois. C'est-à-dire que tu roules et tu vois. Au bled, tu vois le cimetière, tu vois les gens qui sont en train d'enterrer, ça se trouve, tu roules, tu Bien descends ta sûr. voiture, tu vas faire l'enterrement, après tu continues ta route, tu vois, ce moment-là. Mais il faut savoir. Ouais, vas-y, vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, vas-y, bismillah. Il faut savoir qu'en France, que le cimetière, il doit être à 35 mètres des habitations. Tu vois? C'est une règle, une législation qu'ils ont en France. 35 mètres. Ouais, des habitations. Il faut absolument que ce soit à 35 mètres des habitations. C'est une règle qu'ils ont. D'accord. Et ça signifie C'est-à-dire. quoi en fait? Bah, en fin de compte, il faut que ce soit pas trop exposé, il faut qu'il y ait un éloignement, tu vois. Il faut pas que les gens soient D'accord. trop. Il y a des gens, tu sais, qui sont très sensibles à ça. Mais c'est leur loi ici, c'est très, très, très réglé, c'est très réglé, vraiment, c'est très carré, tu vois.
Tu peux pas faire ce que tu Tout pour te rappeler que, en gros, tu es là, quoi. On fait comme si tu vas jamais partir, en fait. En gros, en vérité, ce que tu regardes en toute honnêteté, c'est lorsque tu es sur. Quand tu es ici en France, bon après, peut-être aussi dans certains pays musulmans, je ne te dis pas, ça dépend des personnes, mais tu as l'impression, tu vois les autres partir, mais toi, jamais tu te poses la question, est-ce que je vais partir, même si tu te le dis. Mais le jour où ça arrive, quelqu'un de proche de ta famille, comment tu vas réagir? Même si tu es un laveur, même si tu es laveuse, et je pense que la sœur, je ne sais pas si elle a le même ressenti que moi, mais quand il y a des choses qui t'arrivent comme ça, même des gens qui sont calés en sens, des fois, ils sont perturbés quand la mort arrive, quand c'est un proche. Tu vois? Parce que c'est pas une chose facile, il faut le C'est pas dire. une Hein. chose C'est pas une facile, ouais, chose. c'est pas une chose facile. Non. Moi, j'ai perdu mon meilleur ami qui était rentré à l'hôpital avec moi. Ça m'a fait de la peine. C'est la première personne pour qui j'ai pleuré. Tu te rends compte? C'est prendre, c'est C'était prendre. mon meilleur ami. Je l'ai fait rentrer à l'hôpital. Il bossait avec moi. Très gentil et tout. Après, voilà, moi, il a décidé de le reprendre. Donc, on a rapatrié du Sud pour le laver ici. Et on l'a enterré. Quand tu le vois, quand je l'ai vu, je me suis vu moi aussi. Et tu vois, ça te jette un poids. Mais il faut savoir que les laveurs, je pense que même laveuse, on n'est pas insensible. Hein. Il ne faut pas croire. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a quelqu'un qui est décédé que Ziwa, ils sont trop forts. Non. On a un cœur comme tout le monde. Mais si on ne fait pas la part des choses, si on ne met pas cette barrière, tu ne peux rien faire. Ma question pour la sœur, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer la première fois que vous avez lavé une personne, les effets, comment vous l'avez, comment vous êtes débrouillé, vos ressentis? Parce que moi j'ai mon épouse aussi, elle est moi je suis dans le médical, mon épouse aussi est dans le médical. La sœur qui est morte la semaine dernière, c'était une amie à mon épouse, donc elle venait à coiffer, etc. Et donc, mon épouse au début, elle se sentait pas de la laver. Mais au final, voilà, il fallait le faire. Donc, elle est partie avec les sœurs, ils l'ont lavé, etc. Au début, elle est dans le médical, mais c'est quelque chose elle est infirmière, mais c'est quelque chose qu'elle se sentait pas de faire. Et bon, voilà, comme il fallait le faire, etc., elles sont parties, elles l'ont fait. Et puis au final, elle a eu des bons ressentis, etc. Donc, vous, comment ça s'est passé un peu pour la sœur, la première fois que vous avez lavé une personne? Ben, la première fois, en fait, j'y suis allée, j'étais très, très stressée, j'avais peur, en fait. J'avais déjà vu des défunts, mais je ne me suis jamais occupée avant cette fois-là en tant que laveuse, en tant qu'assistante. J'étais très, très stressée, j'avais peur déjà d'être en retard, de ne pas faire ce qu'il fallait, de vider les défunts. C'est pas moi qui étais responsable de la toilette, juste j'assistais. La laveuse, mais quand même, c'était difficile. Mais c'était, alhamdoulilah, c'est une toilette qui est un merveilleux rappel, machallah. Machallah, machallah. Bizarrement, celle-là m'a pas énormément marqué par rapport à certaines autres qui se sont passées après, qui, bah, petit à petit, nous font aussi un rappel, mais suivant l'histoire un peu de la personne et puis notre état personnel entre guillemets du moment on est parfois enfin on est comme disait le frère machallah, on a un cœur on est obligé de se protéger mais des fois on est plus sensible à certains moments que d'autres D'accord, quoi et d'accord. faut gérer que c'est pas évident. D'accord. D'accord. Et pour toi, frère, la même question. La première fois que tu as lavé une personne, c'est quoi tes ressentis, tes impressions, comment tu as appréhendé la chose, etc. Alors, franchement, tu sais, du fait du métier médical, le fait que j'ai suis confronté à cela dans mon métier, parce que je descends des défunts, tu sais, dans la chambre funéraire. Non, j'ai appréhendé ça sans, j'avais pas de ressenti, je suis venu. Voilà, bon, je regardais des défunts, j'avais déjà vu un défunt. Mais c'était plus de la question comment je vais apprendre à laver, comment je vais bien faire les choses, tu vois. C'est ça, c'est. Plus dans le détail technique, comment faire pour pas se tromper, pour bien le laver correctement, le bien parfumer, faire les choses dans les règles. J'étais plus dans ce domaine-là. Après, bien sûr, le corps, il est froid. Voilà,
qui est le encore froid. sans vie, tout ça. Il y a, Ouais, y a, y a plus de. Le sang, il circule plus. non, non, tout est froid parce que là-bas, on est dans des chambres froides, tu vois. Donc, c'est pas comme au pays, c'est différent. Les gens sont chauds, sont enterrés, sont lavés, tu vois, c'est direct. Ça va Là-bas, vite, en ça va France, vite. Ouais. Le lendemain. voilà, en France, ça peut te prendre 3, 4, 5 jours, même des fois une semaine. Oh là là. Et des fois, quand on ne retrouve pas les familles, bah, ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend quand les associations se mettent en quête de recherche de famille ou de prendre en charge le Mais ça défunt. veut dire quoi, le Bon, corps, il est congelé alors? le corps est congelé, mais il faut savoir qu'au bout de quelques temps, il se dégrade. Ouais, le corps se dégrade et ça, si tu veux, on développera après comment faire dans certains cas parce qu'on ne trouve pas forcément des dans des états corrects. Il faut être honnête. Voilà. Laver un défunt ou une défunte, c'est des responsabilités. C'est s'exposer à des responsabilités. Ça, c'est s'exposer à pouvoir gérer les familles parce qu'ils sont dans un deuil, une difficulté, une détresse. Et c'est pas donné à tout le monde. Je dis pas que j'ai pas la prétention de dire que je sais faire mieux qui que ce soit. Pas du tout. C'est juste dire que c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère. C'est du sérieux. Et c'est une sorte de da'wa aussi. Tu vois, parce que souvent, tu retrouves des familles qui sont un peu qui sont un peu égarées, qui sont perdues et qui savent pas comment faire. En Donc, fait, toi, quand vous êtes des psychologues en même temps, en fait. Y a de la psychologie du deuil, hein, ce que beaucoup négligent. Et la sœur, je pense qu'elle le sait, puisqu'elle a dû le faire dans sa formation. La psychologie du deuil, c'est important. On ne vient pas comme ça dire à quelqu'un, Aïe, c'est bon, il est mort, c'est fini, c'est bon. Moi, j'en ai connu des gens comme ça. Je lui dis, mais ce n'est pas une façon de parler aux familles. Je lui dis, Subhanallah, il vient de perdre quelqu'un. Il faut aller avec la douceur, il faut aller avec pas. Il faut savoir sortir les mots au bon moment. Et tu vois, selon le degré des personnes que tu vas avoir en face de toi, tu as des personnes qui ont plus de foi, il y en a qui en ont moins, il y en a qui ont besoin d'entendre des paroles qui vont toucher leur cœur, tu vois. Et ça, si tu ne sais pas faire. Après, c'est un des qualités des laveurs et des laveuses. Il faut savoir aussi avoir la douceur dans ta façon de faire. Là, la soeur, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que le frère vient de dire. Et par rapport à la psychologie, c'est en fait la plupart des familles, ce qui revient souvent, c'est qu'ils ne savent pas en fait. On vous entend pas très très bien. Si vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît. Pardon. Où est-ce que ce que je disais, le frère, il parlait tout à l'heure par rapport aux familles. Ils connaissent pas ce domaine, ils ne savent pas quoi faire, ni comment, etc. Donc on est là aussi pour les rassurer. Pour les guider, parce que certaines familles, elles demandent de participer aux toilettes avec nous. Donc, nous, on les y encourage. Au contraire, c'est important aussi pour leur deuil. Ils les parfument, ils les accompagnent jusqu'à la fin. Et malgré leur réticence, leur peur et tout, on doit utiliser certains mots, les rassurer, les accompagner, etc. C'est très, très important, machallah. Et même pour nous, on a l'impression vraiment d'accompagner le défunt à travers la famille aussi, quoi. Tout à l'heure, le frère disait que vous disiez que vous aussi vous avez dit que en fonction de la personne, ça vous touche plus ou moins. Est-ce que vous pouvez nous dire, raconter l'histoire de la personne que vous avez lavée, mais son histoire vous a vraiment touché? Si, Franchement, j'ai bien lavé sûr, une dame. si c'est pas. De toute façon, il n'y a pas de problème à mentionner ça. C'est pas. Non, on ne mentionne pas la personne en particulier. Il D'accord. faut on reste basique. D'accord. Il y avait une dame. En fait, il faut savoir que, comme disait le frère, il y a parfois des corps de défunts qui sont pas décédés, enfin, qui sont pas comment dire, Ils sont plus intacts. facile à regarder ou pas, c'est parfois difficile. Ils sont Mais il y dégradés. en a, il y a des toilettes qui sont. Comment? Ils sont dégradés, les corps. Décomposés, Ouais, ouais, décomposés, ouais. ouais, ouais. Parfois, ça peut arriver. Et des fois, il y a des toilettes qui sont difficiles et des fois, des toilettes qui sont super faciles. On a 1 heure pour faire un lavage. Des fois, on a la baraka dans le temps et tout.
Et subhanallah, on parle avec la famille qui a parfois participé aux toilettes, mais en particulier c'est celle-là. La toilette était très facile. Et on a parlé avec sa sœur, avec la sœur de la défunte, et elle nous a dit, en fait, cette dame-là, elle faisait énormément de bien. C'était une chirurgienne, et elle soignait beaucoup de gens qui étaient dans le besoin. Elle ne les faisait pas payer. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça, subhanallah, et la toilette était magnifique. Parce que, comme je reviens sur ce que disait tout à l'heure le frère, on doit un peu se barricader, parce que c'est la même vision qu'on peut dire pour les pompiers ou les gendarmes, etc. Ils voient beaucoup de choses, etc. Donc, ils doivent apprendre à mettre une barrière. Mais on reste quand même, voilà, on reste quand même touché. Et cette dame-là, elle faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dua pour sa sœur en salle de lavage. Et nous, on doit rester fort et tout, c'est pas évident. Hein. Mais des fois, on est obligé de craquer, on reste des êtres humains, c'est pas évident. Non, pour toi, mon frère, c'est quoi la personne qui t'a lavé, vraiment, ça t'a touché, son histoire et... À moi, là, c'est de l'enfant qui s'est fait... On ne t'entend pas très bien. C'est l'histoire d'un enfant qui est décédé. Mmh. C'est compliqué lorsque tu vois un enfant qui a l'âge de mon fils, 11 ans, que tu laves, c'est très dur pour la famille. Et en tant que laveur, tu dois vraiment essayer de mettre les choses de côté pour faire les choses correctement. Et ça, c'est touchant parce que c'est un enfant. C'est pas comme un adulte d'un certain âge. Même si c'est triste, tu te dis, voilà, il a peut-être cet âge-là, mais l'enfant, c'est très compliqué. Pour la mère, et quand tu vois la mère en train de pleurer, dans la détresse, et là, à côté de son enfant, c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce que vous craignez pas, à force de laver, etc., que parfois ça devienne mécanique, un automatisme? Alors, pour cela, moi ma méthode, c'est quoi? Effectivement, il y a ce risque-là. Ma méthode, c'est quand je sens que ça commence à devenir un automatisme, je me mets une alerte, je me dis, je délègue à mes aux frères pour qu'ils se mettent dans le lavage, et moi, je me retire. Comme ça, quand je reviens, moi, c'est pas un mécanisme, c'est-à-dire je reprends comme si c'était nouveau, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr que c'est pas nouveau, mais c'est pour dire que c'est pas toujours. Et puis surtout, s'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est mettre son intention sincèrement pour Allah. Tu fais les choses pour Allah, et franchement selon les personnes, c'est des fois pas un automatisme. Il y a des choses où tu es touché, il y a des gens qui font rappeler les choses, te dire ce que tu fais, attention, c'est important. Des comparants. Donc, il faut que tu te fasses un rappel à toi. Mais bien sûr qu'il y a le risque d'automatisme. Il y a le risque de l'argent. Les gens qui touchent de l'argent, qui se disent « Ah bah, je vais être payé. » Tu vois ce que je veux dire, Mohamed? Mais nous, concernant notre association, on ne prend l'argent que par... quand c'est les banques assurance. Quand les familles n'ont pas de banque d'assurance et que n'ont pas les moyens, je ne prends rien du tout. Et c'est pour l'association. C'est pour acheter du café, pour acheter le CID, tout ça, et des fois pour payer le transport des laveurs, parce que des fois ils vont très loin. Mais il y a le risque, comme tu disais, en revenant sur le sujet, il y a le risque que ce soit mécanique. Mais l'intention, c'est l'intention qui va déterminer toute chose. Et quand ils vont loin, c'est quoi? C'est la famille qui prend en charge ou ça se passe comment? Alors, personnellement, moi je suis. Alors moi je suis du Nantes. J'ai déjà été à 200 km d'ici, même à 300. J'ai rien demandé. On fait des choses pour un mois. On travaille, on a un métier, donc alhamdoulilah. Et nous, on espère que ce sera compté de notre côté. Surtout de faire des choses vraiment pour un mois, en espérant que ce qu'on a fait, ça a soulagé la famille. Et qu'on a fait en sorte que notre défunt il soit sente bon devant Allah Azzawajal, qu'il soit présentable l'année en défense. Et pour vous, la sœur, par rapport à la question, comment faites-vous pour pas que ça devienne des automatismes mécaniques, des gestes mécaniques, mais que malheureusement, à l'intérieur, ça devient vide?
Alors, bah, comme disait le frère, surtout c'est toujours renouveler la Néa. Comme, bah, de toute façon, comme dans chaque acte d'adoration qu'on va faire, on doit toujours renouveler la Néa, ça c'est sûr. Après, moi, essentiellement, je vais visiter les cimetières. Ou alors, je vais visiter les personnes qui sont bah, soit dans le besoin ou hospitalisées ou quoi. Donc, ça me fait un rappel et. Ça me permet de revenir un petit peu enfin, si je peux me permettre de dire ça, dans le droit chemin, quoi. Est-ce que, question pour la sœur, est-ce que bah, durant votre parcours de la veuve, vous avez déjà assisté bah, à une personne qui est dans l'agonie de la mort, qui est morte devant vous? Si c'est le cas, bah, qu'est-ce que ça vous a, qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que vous avez lavé cette personne même après? Oui, j'ai le petit garçon d'une amie à moi qui allait avoir 5 ans. Voilà, mon petit client. On l'a accompagné, il avait un cancer mesquine À 5 ans. et il est décédé. Ouais, il Subhanallah. avait une tumeur au cerveau. Alors. Ça a compliqué en fait, son cerveau, subhanallah. Donc, on l'a accompagné. Bah, tout le long de la fin de maladie, etc. Après, on était dans la chambre, en fait. C'était un vieux juif, on était là à l'hôpital. Et il est décédé bah, autour de sa maman, ses tatas, etc. On n'était plus là. Puis Subhanallah. à la suite, on l'a lavé. Sa maman, il était hospitalisé à la maison en fin de vie. Donc, on l'a lavé avec sa maman, chez la maman, à la fin. Donc, les funèbres sont venues du coup à la maison pour emmener le cercueil et repartir avec le petit coup. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et toi, mon frère? Rappelle-moi la question. Est-ce que tu as déjà Ça raconte. assisté Ouais. à, bah, une personne qui est à l'agonie de la mort d'une personne en fin de vie? Qu'est-ce que ça Alors, t'a moi fait? j'assiste. Moi, c'était à l'hôpital, j'ai assisté effectivement à une famille que je connais très bien, qui m'a appelé parce que le père était décédé. Et je suis monté, subhanallah, à ce moment-là, tu vois, le corps, il est haletant. Il respire très, très, très vite. Et tu vois que tu sens qu'il est en train de partir. C'est impressionnant, même toi, tu te sens bizarre. Et quand tu vois les gens pleurer autour de toi, c'est très triste. C'est une atmosphère un peu particulière, tu vois. Tu ressens, même toi, tu te sens incapable, tu te sens incapable de faire quoi que ce soit, puisque la situation, tu ne la contrôles pas, c'est Allah qui contrôle toutes choses, tu vois. Donc, tu es là, tu peux que observer et voir en fin de compte, que la mort, elle te prend, sans que personne ne peut rien faire. Ouais, et moi, personnellement, ça m'a fait bizarre, c'était impressionnant, franchement, c'était impressionnant. C'est pas la première fois que je vois ça, c'est la deuxième fois en hôpital en plus. Et c'est impressionnant quand tu vois ça, et surtout les familles qui sont touchées par la mort d'un des proches. C'est pas évident, c'est dur. Bismillah, Enfin, je disais, mais non, c'est vrai, on le ressent. Quand on assiste à ça, subhanallah, il y a un ressenti très, très, très particulier au moment où l'âme elle part, subhanallah. C'est subhanallah. incroyable. Ça Franchement, a dit bien. le cœur, il est l'impression du corps. T'as de la chair de poule et t'as le cœur qui bat vite. T'es comme ça, t'es comme si t'étais un peu, pas en transe réellement, mais vraiment, t'es pris dans une ambiance particulière. Tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais tu vois que vraiment, l'être humain, il est vraiment impuissant face à ça. Subhanallah, c'est quelque chose d'impressionnant. En plus, l'agonie de la mort, ça peut durer très longtemps. Ça peut durer. Oui, ça dépend des personnes. Ça dépend. Non. Parce que la sœur qui est morte, la semaine dernière, quand ma femme elle allait la voir 3-4 jours avant, le médecin disait. En gros, elle est en soins palliatifs, là, elle est en train de partir. Donc, elle a dû rester au moins dans l'agonie de la mort pendant au moins 3 jours.
pendant au moins Non, 3 jours, elle c'est était en train de souffrir et tout ça, et ça fait plus, c'est pas, c'est une période qui est très douloureuse. Et en fait, Allah lui disait Inalil mawti la sakarat, en gros, et la goutte de la mort, c'est que si je vais mal, etc. La personne, elle est là, elle ne peut rien faire pour elle-même, et nous, on ne peut rien faire pour elle, subhanallah. C'est vraiment. c'est terrible parce que quand tu as beaucoup de rappels sur la mort, la patience, tu vois, quand tu as la maladie et tout. Mais ce que les gens, ça, il faut que les gens comprennent, c'est que quand on est en plein dedans, c'est pas facile après. Les gens te disent patience, patience. Et celui-là qui souffre, les autres autour ne peuvent pas comprendre. Tu vois ce que je veux dire, même la soeur, je pense qu'elle le sait, mais on souffre, mais les gens te disent patience, patience. Ouais, mais après, il n'y a pas de souci, bien sûr qu'on patiente. Mais toi, tu me dis ça à moi. Mais c'est moi qui suis en train de souffrir, c'est moi qui suis en train de subir. Tu sais, chacun subit la mort de façon différente. Tu vois. On meurt tous, ça c'est sûr, mais elle est différente. Mais c'est pas évident, franchement, c'est pas facile. Et la sœur, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, là, tu dis, machallah. Et bah, la question pour la sœur, on va commencer par la sœur, c'est comment vous procédez pendant le lavage quand vous avez un corps qui est décomposé, même psychologiquement, comment vous faites pour faire face à ça? Parce que moi, je suis étudiant en kiné et j'ai fait un stage au début le mois dernier, c'était en réanimation. C'était mon premier stage en réanimation et tous les jours quand on arrive au bloc opératoire, en réanimation, patient mort. Un patient à qui on a fait des soins la veille, patient mort, et des fois il y en a qui sont malheureusement, surtout au bled, malheureusement c'est pas comme en France. En France, alhamdoulilah, dans les hôpitaux, il y a des bonnes prises en charge. Ici, c'est pas facile. C'est pas facile. Jamais les patients, ils sont hospitalisés. Parfois, ils sont sales. Le bled, c'est pas facile. L'hôpital public, subhanallah, c'est pas facile. Les patients, ils sont hospitalisés, ils sont sales. La prise en charge, c'est vraiment catastrophique. Alors, je vous dis même pas, quand on arrive au bloc opératoire, des fois, c'est des sans-abri. Des fois, c'est des gens, ils sont malheureusement atteints mentalement, etc. On doit leur faire de la kiné, c'est pas facile, on met des gants, etc. Puis le lendemain, on arrive, on voit qu'ils sont morts, et ils sont dans des états, alors qu'ils viennent juste de mourir. Mais vous, comment vous faites quand le corps est dans un état de décomposition avancée psychologiquement et même pour travailler, etc. Déjà, en fait, la fonctionnaire, en tout cas, elle nous dit, surtout quand c'est des cas comme ça, assez extrêmes, parce qu'il faut savoir, c'est pas souvent, alhamdoulilah, qu'on tombe sur ce genre de décès, alhamdoulilah, mais ça peut arriver, effectivement. Et la fonctionnaire, en général, elle nous dit pour que nous aussi, on se prépare psychologiquement. Voilà. Donc, voilà, déjà, on fait beaucoup de doigts, ça, c'est sûr. Et on demande beaucoup à Allah de nous aider à pas craquer et à lui donner son haq, en fait, de pas faire d'erreur, d'être fort, surtout pour le défunt, pour lui donner son droit et pour la famille, la soutenir aussi, parce que la famille, c'est une catastrophe pour eux aussi. Parce que Alors, parfois, non? ouais, je disais en fait, la famille, quand ils voient, quand le corps est décomposé, ça les touche plus encore. Ouais, mais des fois, le corps est tellement. En fait, ils disent des fois, ils nous conseillent, ils disent le corps n'est pas visible. Pour la famille, c'est mieux qu'ils ne voient pas. Ouais, non, en fait, nous, c'est difficile de mettre comme ça, de dire aux familles, vous ne pouvez pas le voir, garder le souvenir que vous aviez avant, etc. Mais c'est aussi pour leur bien, parce que c'est une épreuve immense de voir un défunt. Décomposer, etc., c'est du lourd quand même. Ah là là. Des fois, on ne connaît même pas les personnes. On peut pas, pour le deuil, on ne peut pas
le cerveau, il fait pas la connexion entre le défunt qu'on a laissé à l'hôpital et la personne qui est là, vous voyez? Et c'est pas normal, c'est impressionnant. Et en fait, nous, quand ça nous arrive, moi, personnellement, j'amène que des laveuses, j'amène pas, enfin, des laveuses, ils ont fait beaucoup de toilettes, parce que déjà, elles maîtrisent un peu mieux. Et au niveau du lavage, la plupart du temps, les grands décomposés, on fait pas le lavage. On fait à Tayamoum, avec la pierre, sur la défunte directement, parce que l'état du corps ne permet pas qu'on fasse la toilette, quoi. Ouais, c'est Donc, chaud. on met du musc comme on peut, parce que malheureusement, avec la décomposition, c'est visuel, mais c'est aussi, voilà, il a le corps, ça, il est abîmé. Voilà. C'est chaud. Enfin, C'est une de chaud. mes activités. Amen, amen. Et Il pour... faut, il faut, il faut, il faut. Il Se prendre là-bas, c'est faut chaud. apprendre pour le faire, c'est important. Important. Se prendre là-bas. Non, Marie, bismillah pour toi. Tu veux que je répète la question ou tu t'en rappelles? Non, non, je me rappelle après, il n'y a pas de souci. Allez. Alors, ouais, non, effectivement, la sœur, elle a répondu sur certains détails, bien sûr. C'est qu'il faut prendre des laveurs qui sont expérimentés. Surtout pas des débutants, parce que ça va être un choc pour elle. Et en plus, c'est rare qu'on puisse faire la toilette, effectivement, parce que le corps, il est dans un tel état qu'on fait tayammum. Après, selon la situation, le laveur, il doit s'adapter selon le corps qui va le voir en face de lui. Comment il va faire? Est-ce qu'il peut faire une toilette ou pas? Ça, c'est important. Mais cela dépend de la décomposition du corps. Des fois, on peut faire qu'un roussoul, des fois que deux, des fois bah, trois, normal. Mais en général, quand ils sont décomposés, c'est plus tayammum et à la rigueur, peut-être un roussoul. Et on D'accord. parfume, on met le kafen, et voilà. Mais la plupart du temps, effectivement, je rejoins la science qu'elle dit, c'est tayammum. Et le corps, moi, perso, je vois la famille, et je leur dis, en toute honnêteté, il est préférable de ne pas voir le corps de votre défunt, parce que il n'est pas présentable dans la situation. Et souvent, ça passe, alhamdoulilah. Et Et il vous faut. avez... Vous avez accès au corps avant les familles. Vous pouvez voir les corps avant les familles. Bah, nous, oui, parce que lorsqu'on va à la morgue, on arrive les premiers pour laver et après on montre aux familles, tu vois. Et des fois, les familles, elles ont le droit d'aller voir le corps. Hein. Attention, il y a des morts qui les autorisent, mais elles avertissent la famille qu'il n'est pas présentable. D'accord. Ça arrive. Mais en général, nous, on est les premiers à arriver à faire le lavage et après, on le montre. D'accord. Et les morgues, quand vous arrivez, vous dites que vous êtes laveur, ils vous demandent quelque chose, hein, si vous avez un diplôme ou, je sais pas moi, une carte. Alors, non, non, ils ne nous montrent pas. Mais en toute sincérité, je pense que la sœur dessus, je pense que il va falloir un moment professionnaliser ce domaine. Pas spécialement qu'il faut rémunérer, que ce soit un métier spécialement, pas ça. Mais que ce soit vraiment professionnel, parce que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore carrées. C'est dérangeant beaucoup ce improviste laveur. Et finalement, il y a des catastrophes qui sont faites, hein, parce que j'ai entendu sur Paris, il y a eu des choses qui ont été faites qui font peur, tu vois. Mais en Ah général, non, quand ils savent que vous êtes envoyé par une pompe funèbre, parce que, en fin de compte, vous êtes un laveur et vous travaillez pour une pompe funèbre. La pompe funèbre, c'est elle qui d'accord. vous rémunère si quelque chose. Donc, en général, vous êtes mandaté par une pompe funèbre, vous remplissez un document comme quoi vous avez fait la toilette de telle personne. D'accord. La sœur, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la question là? Non, c'est un point très important qui a été souligné là. Je le rejoins complètement. Pour ma part, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord, ça doit être professionnalisé. Parce que très souvent, enfin, je dis pas tout le monde, mais il y a beaucoup d'endroits où bah, voilà, on fait une petite formation ou pas. Des fois, on apprend directement le fond pour certaines associations. Et bah, ils sont complètement novices, ils ne savent pas. Ni ne serait-ce la sunna, c'est-à-dire les produits qu'il faut utiliser, comment manipuler le corps, comment réagir à certains cas de décès, notamment les cas de bah, la personne, elle a beaucoup d'escarres, est-ce qu'il faut laver ou pas,
comme disait le frère tout à l'heure, ça dépend de l'état de décomposition, l'avancée de la décomposition ou pas, si on fait tayammum ou pas, si, voilà. Et aussi comment on tourne le corps, parce que si on le fait mal, vous imaginez la catastrophe? Avec l'eau, le savon, le corps glisse, parfois le corps est lourd, c'est pas forcément une personne qui est corpulente ou quoi, c'est pas obligé, mais c'est faut que ce soit beaucoup plus encadré à mon sens également. Non, ça devient assez chaud. Et donc, ouais, maintenant, je voudrais rentrer par rapport au testament. C'est un sujet assez important, comme j'avais évoqué en préambule. Est-ce que vous pouvez nous donner, ben, vous pouvez nous parler un peu de ça dans la Sunna, si vous connaissez des choses dans la Sunna par rapport à l'importance du testament, etc., de manière générale, de manière globale. Et puis après, on parlera de manière plus précise si vous avez des histoires, on va dire, comme il y a un proverbe qui dit en arabe, bil mithal yattadihu al-maqal. Avec les exemples, les choses deviennent plus claires. Des histoires qui peuvent vraiment nous montrer l'importance de faire des testaments, parce que malheureusement, il y a des personnes qui vont laisser parfois des biens, les familles vont se déchirer, etc. Si vous avez déjà assisté à certaines choses, bismillah, on va commencer par la sœur, après le frère. Déjà, il faut savoir que le musulman ne peut pas rester 2 jours ou 3 jours suivant les dalils sans avoir un testament auprès de lui. Et il faut savoir que les testaments, ils sont pas normalement pour les héritiers, puisque Allah il a déjà prédéfini les parts de chacun. Donc, c'est important, les priorités du testament, c'est pour les dettes essentiellement. Pour les aumônes et puis les recommandations essentiellement également. Les recommandations pour les parents, pour les enfants qu'on laisse, voilà, leur dire qu'ils se mettent bien dans la voie d'Allah, que la fin est proche, et nos recommandations à nous aussi, que nous, on veut être lavés selon la Sunna, qu'on veut rien de plus ou rien de moins. Ce qu'il nous a dit Allah, ce qu'il nous a dit le prophète, pas plus. Et surtout, d'autant plus, bah, au même titre que certaines personnes qui sont nées musulmans, autant que les reconvertis, pour moi, je les passe au même niveau, dans le sens où c'est pas parce qu'ils sont nés musulmans qu'ils ont moins de difficultés. Parce que certains parents, ils sont beaucoup dans les traditions, dans les mauvaises croyances, etc. Donc, quelque part, c'est aussi des reconvertis puisqu'ils rentrent bien dans la religion. Et donc, tout ce qui est innovation, le lavage, ou même après, du coup, on peut le noter dessus pour que ce soit respecté. D'accord, bon, que l'a fait. Parce que, notamment les reconvertis, bah, du coup, il va avoir les parents qui ne sont pas forcément convertis, qui peuvent aller dans un autre sens, qui veulent habiller leur enfant dans le cercueil, qui veulent. J'avais un exemple. Une sœur, elle était reconvertie avec son époux, ils sont décédés tous les deux. La famille était d'origine portugaise. Une sœur, Et j'ai pas entendu une sœur, elle a quoi? elle était convertie avec son époux. Et en fait, ils sont décédés tous les deux à leur mariage. Et la famille était portugaise, du coup, ils ont mis la robe de mariée à la fille, ils l'ont rapatriée au Portugal. Subhanallah, subhanallah. Il y a beaucoup de cas comme ça. Mais le testament, c'est super important et on doit le laisser à plusieurs personnes de confiance avec qui on est sûr que nos volontés soient respectées. Se prend. Voilà que l'a fait. Achille, bismillah. Ah bah, la sœur, elle a presque dit effectivement que le testament, il a une importance capitale et que près de soi. Et le testament, il est important pour les dettes. Il est important parce que malheureusement, on va être honnête, les gens qui décèdent, il y a une chose qui est beaucoup laissée de côté, ce sont les dettes. Je ne sais pas si vous entendez les personnes qui meurent. On entend. Jamais on parle, il avait telle dette, il avait ça à régler. Et on ne sait pas quelles dettes elles ont ces personnes. Tu vois ce que je veux dire, et ça, c'est terrible, hein, de ne pas s'occuper de ça. Tout le monde veut faire une cagnotte
pour faire le rapatriement pour l'enterrer, il n'y a pas de problème. Mais on oublie le côté de est-ce que le frère avait une dette? Est-ce qu'il avait quelque chose à régler? Tu vois? Et effectivement, la sœur le disait dans son Al-Baqara, on parle du testament, tu vois. Alhamdoulilah, et en plus, le partage, tout est bien décrit. On n'a pas besoin de. Pour le concernant les enfants, de ce qu'il a le droit, la femme, les filles, tu vois. Là, c'est vrai que ce testament, il est important pour laisser, comme elle disait, les aumônes ou bien les dettes, tout ce genre de choses. Barakallahu fikoum, Moi, je vais répéter par un petit point supplémentaire. barakallahu On connaît en islam la place du martyr qui est très élevée, mashallah. Faut savoir que même le martyr, il est exempt de tout sauf de la dette. Ça coupe, je crois. Vous Oui. m'avez entendu? Là, vous avez dit ouais, même le martyr. Ouais. Il est redevable de sa dette. Il n'est pas. Voilà, exactement. Non. Le martyr, il n'est pas exempté de régler sa dette, fait l'homme qui Allah, il pardonne tout, mais la dette, c'est entre les personnes. C'est bien ça? Non, exactement. Barakallahu fik. Ça, c'est un vrai rappel, hein. C'est un rappel poignant parce que, subhanallah, qu'est-ce que tu viens de dire, c'est vrai, subhanallah, tu as des gens qui ils veulent être enterrés au bled, etc. Alors que la base de la sunna, c'est bien d'être enterré, je crois, où on est mort, mais on oublie de régler les dettes. Alors que, subhanallah, je crois que l'âme de celui qui meurt avec une dette, elle est reliée à sa dette jusqu'à ce qu'elle soit payée, si je crois bien le hadith. Elle est suspendue jusqu'à Voilà, ce que ce soit réglé. suspendu, subhanallah. Ça veut dire que Mais c'est pas. ça, c'est un gros problème dans notre communauté. Et la dette, c'est ce qui fait peur. Après, en toute honnêteté, c'est vrai que les dettes, c'est quelque chose de difficile. Moi, je pars de ce principe. Après, chacun fait comme il veut. Moi, perso, même si quelqu'un a une dette, moi, je lui efface la dette. Parce que je ne veux pas laisser ça avec un. Tu vois, parce que c'est Subhanallah. dur. Après, déjà, il passe de l'autre côté. Il a une épreuve à passer. Et pour de l'argent, pour donner à mon frère, je vais lui dire non, je ne vais pas te lâcher jusqu'à mon frère. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Moi, Mais. je suis dans la même C'est un hack, optique. la personne. Hein. Allah, il nous facilite à mourir sans dette parce que franchement, c'est chaud. Amen. Oui. Il y a quelqu'un qui dit, mais en France, il faut payer même quand on est mort. C'est ça le problème, si vous pouvez éclaircir ce sujet. Je n'ai pas vraiment compris ce que ça veut dire. Après, je pense que la sœur me rejoindra aussi parce qu'elle est du domaine. Il faut savoir, en France, on paye une concession, d'accord? Certaines années, 5, 10, 15, 30 ans, ça dépend des concessions ou perpétuelles, ça dépend. Il faut savoir que les gens, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ça ne vous appartient pas. Vous louez cet endroit. Et le jour où vous ne payez plus cet endroit, on vous retire, on vous met dans un ossuaire, qui est un endroit où il y a tous les os réunis. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es plus dans ta tombe. C'est-à-dire, ça ne t'appartient pas. On t'enterre en France. Le jour où tu ne payes pas, tu as 2 ans. Tu as 2 ans pour date anniversaire pour payer, régler la dette de tes descendants. Est-ce que tu crois que dans 50 ans, là-bas, est-ce que tu crois que dans 50 ans que les petits-enfants ils vont payer, les petits-petits-enfants? Tu vois? Et c'est combien qu'il faut payer? Ça dépend les années. Tu as 200, 300, 500 euros, ça dépend. Ça dépend le nombre d'années que tu as pris. Ça dépend des cimetières aussi. Oui, c'est une commune. Chacun fixe le prix aussi au conseil municipal, je crois. Mais en général, genre, quand une personne elle vient se faire enterrer, c'est combien d'années en général? Franchement, ça dépend des familles, ce qu'elles ont choisi. Ça dépend. En général, elles prennent 30 ans. Au bout de 30 ans, on vient, on t'enlève, on te met dans une fosse commune. C'est pas fausse commune, c'est un ossuaire. Tu vois? C'est un endroit où on renie tous les os qu'on met dans un dépôt. Mais on ne te déterre pas comme ça. Tu as 2 ans à régler. On va envoyer ça à la famille. Tu vois? On retrouve la famille. On lui dit, voilà, vous avez 2 ans pour régler. Enfin, vous devez régler
la concession qui vient de se terminer. D'accord. Si la famille répond favorablement, elle va le régler. Si elle ne répond pas favorablement, bah, elle va l'enlever. D'accord. Le live est couple, parce que ça fait 1 heure. On reprend tout de suite, Inch'Allah. Inch'Allah.